Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Papa de ces petits rideaux que vous pouvez aussi utiliser cet ouvrage comme chemin de table, comme pas mal de choses. Donc j'ai décidé d'utiliser ce magnifique fil qui est donc la Carnaby. Carnaby du site loupation.com, bien sûr je vous mets le lien en barre d'infos, mais fil que je vais utiliser excessivement souvent parce qu'il y a des projets qui sont faits, qui arrivent, qui vont être très récurrents, faits dans ce fil. Donc si vous avez besoin de ce fil, n'hésitez pas, c'est un fil que je vais énormément utiliser, tant en déco qu'en habillement aussi. D'accord ? Donc pour cet ouvrage, j'ai décidé d'utiliser un crochet en numéro 2. Ça ne sera pas toujours le cas, ça dépendra des ouvrages avec ce fil. Et nous allons faire donc la largeur que nous avons besoin pour notre ouvrage, qui doit être un multiple de 6 plus 5. D'accord ? Allez, c'est parti, on fait notre chaînette. Multiple de 6 plus 5, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, une fois que j'ai la longueur qui me convient, la largeur qui me convient, je viens faire deux mailles en l'air et une bride ici dans la troisième. Comme ceci. Maintenant, je fais trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Je viens passer quatre mailles. Une, deux, trois, quatre. Et dans la cinquième, je viens faire bride, maille en l'air et bride. Bride, maille en l'air et bride dans la même maille. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Là maintenant, on passe cinq mailles. Donc une, deux, trois, quatre et cinq. Dans la sixième, bride, maille en l'air, bride. Bride, maille en l'air et bride. Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Donc, 3 mailles en l'air, on passe 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, bride, maille en l'air, bride. Donc, bride, maille en l'air, bride. On se retrouve en fin de rang. Quand nous arrivons au dernier motif, on fait 3 mailles en l'air. Et là, on vient passer donc 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière, ici, dans la cinquième, donc, on fait notre bride. Voilà. 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Dans la première ici, on vient faire notre bride. Suivi de 2 mailles en l'air. Nous avions 3 mailles ici. Donc, dans celle du milieu, on vient faire une demi-bride. Deux mailles en l'air. Une, deux. Dans le V et dans tous les V, on refait des V. C'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Donc, bride, maille en l'air et bride. On recommence. Deux mailles en l'air. Une et deux. Dans celle du milieu, il y en avait trois. Donc dans celle du milieu, une demi-bride. On repart avec deux mailles en l'air, une et deux, et là, dans le V, un V. Donc, bride, maille en l'air et bride. Et on recommence ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Deux mailles en l'air, demi-bride dans celle du milieu. Deux mailles en l'air, V dans le V, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du rang, je vous retrouve en fin de rang. Et bien maintenant, après notre V dans le V, nous allons venir faire ici une deux mailles en l'air, la demi-bride dans la troisième,
deux mailles en l'air et une bride dans la dernière. D'accord ? Et maintenant, ça va être tout simplement une répétition du premier rang, du deuxième, ainsi de suite. Donc là, nous allons faire une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Une bride ici, dans la première. Comme sur le premier rang, on part avec trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et puis, tout simplement, un V dans le V. Donc, bride, maille en l'air et bride. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On vient dans le V suivant et on fait bride, maille en l'air, bride. Bride, maille en l'air et bride. Une, deux, trois mailles. Oups. Trois mailles en l'air. Un V dans le V. Bride, maille en l'air, bride. Bride, maille en l'air et bride. Une, deux, trois mailles en l'air. V dans le V, bride. Maille en l'air, bride, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Arrivé en fin de rang, on fait donc nos trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la dernière, ici, notre bride. Et on recommence donc le deuxième rang, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, une bride ici, dans la première, deux mailles en l'air, demi-bride en plein milieu, deux mailles en l'air, V dans le V, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride, deux mailles en l'air, demi-bride en plein milieu, oups, si je veux bien avoir. Donc, demi-bride ici, en plein milieu, deux mailles en l'air, V dans le V, donc bride, maille en l'air et bride, et ainsi de suite. Et vous allez donc faire ça de rang en rang, d'accord, jusqu'à obtenir la hauteur dont vous avez besoin. On se retrouve donc dans la hauteur, dans la longueur que vous avez besoin, à de suite. Et bien voilà. Les hauteurs que j'avais besoin pour mes deux petits rideaux sont à présent terminées. On n'est pas le même jour, hein, bien évidemment,